Nous sommes en 1383 en Allemagne. Le village de Wilsnack est attaqué, saccagé, brûlé par le chevalier Heinrich von Bülow. L'église paroissiale est en flammes. Mais après le drame, parmi les restes de l'édifice religieux, on trouve trois hosties consacrées parfaitement intactes, d'où coule du sang. Après cet événement, de nombreux miracles se produisent. L'un d'eux toucha le chevalier Dietrich von Wenkstern. Ce dernier douta des saignements sur les hosties miraculeuses et tout d'un coup, il perdit la vue. Mais lorsqu'il se repentit d'avoir douté, il retrouva la vue. En 1384, l'évêque confirma le miracle des hosties qui saignaient. Le pape Urbain VI offrit une dot pour faire construire une église en l'honneur du miracle. Ainsi, Wilsnack devint jusqu'au XVIe siècle un lieu de pèlerinage les plus importants d'Europe. Malheureusement, l'ostensoir avec la relique fut détruit en 1522 lors d'un incendie. Mais il reste de ce miracle de nombreux témoignages et des œuvres d'art. Pourquoi, dans de nombreux miracles eucharistiques, Jésus nous montre-t-il son cœur ? Rappelons-nous que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il nous a laissé un commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est dire combien l'amour est important pour notre Dieu. Dans la lettre aux évêques, le mystère et le culte de la Sainte Eucharistie, Jean-Paul II explique le lien étroit entre l'Eucharistie et la charité. Si la vie chrétienne s'exprime dans l'accomplissement du grand commandement, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain, cet amour trouve sa source précisément dans le Saint-Sacrement qui est appelé communément sacrement de l'amour. Jean-Paul II ajoute « Toutes les fois que nous y participons de façon consciente, s'ouvre en notre âme une dimension royale de l'amour insondable qui inclut ce que Dieu a fait pour nous, les hommes, et qu'il fait continuellement selon les paroles du Christ. Mon Père travaille toujours et moi aussi je travaille. » Posons-nous la question. Est-ce que je crois que le Père et Jésus et l'Esprit Saint travaillent en mon âme lors de l'Eucharistie? Est-ce que j'ai conscience d'en avoir besoin? Ou est-ce que j'essaie de progresser dans l'amour des autres par mes propres moyens ou des moyens purement humains? Et comme nous le dit Jean-Paul II, est-ce qu'à la messe, j'essaie d'y participer de façon consciente? Est-ce que je suis présent à ce qui s'y passe? Ou est-ce que je me laisse entraîner dans des distractions? Jean-Paul II ajoute « L'amour qui naît en nous de l'Eucharistie se développe, s'approfondit et se renforce en nous grâce à elle. Nous comprenons que nous avons besoin de l'Eucharistie pour aimer. Nous en avons besoin pour aimer nos familles, nos enfants, nos conjoints, nos amis, nos collègues, nos voisins et même nos ennemis. » Il dit encore, l'Eucharistie nous éduque plus profondément à cet amour. Si notre culte eucharistique est authentique, il doit faire croître en nous la conscience de la dignité de tout homme.
Ainsi, nous avons non seulement besoin de fréquenter Jésus dans l'Eucharistie, mais aussi de le fréquenter assidûment. Si c'est possible, aujourd'hui ou dans la semaine, j'essaierai d'aller à la messe et je puiserai la force au cours de la messe dans l'Eucharistie pour accomplir un acte de charité envers quelqu'un de mon entourage. Peut-être particulièrement quelqu'un avec qui j'ai du mal. Quelqu'un que je n'aime pas beaucoup, quelqu'un qui peut-être m'agace un peu. Cela peut être de proposer d'offrir un café à un collègue, de prendre du temps avec une personne seule ou une personne de la rue, d'aller visiter une voisine seule, appeler une vieille tante, des grands-parents, des parents envers lesquels nous devons aussi exercer la charité. Cela peut être de prendre du temps avec l'un de nos enfants qui est peut-être un peu en souffrance. Bien évidemment, avant d'offrir cet acte de charité, j'offre à Jésus mon action pour le prêtre qui m'est confié. Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, et mon seul désir est d'être inséparablement uni à toi. C'est par ton divin Fils que cette union s'apprête à être réalisée en moi lors de ma prochaine communion. Hâte-toi donc de me donner ton divin Fils par les mains du prêtre, que par Jésus je puisse m'unir toujours à toi, ô Dieu mon Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Et Seigneur, je te prie spécialement pour le prêtre qui m'est confié, afin qu'il attende le rendez-vous de la messe quotidienne avec une impatience et un désir, et un grand désir, et que tu enlèves de son chemin, les embûches de l'adversaire. Amen.